de Descartes, très attaché à Descartes, et qui nous l'écrit et nous le transmet régulièrement à travers nos sites. Bravo à vous, messieurs, Xavier, Romec, si je me permets, et tous ceux qui contribuent aussi à faire revivre un peu le passé de Descartes à travers de magnifiques photos, de magnifiques articles. Pas de secret, quand on oublie son passé, en général, l'avenir est beaucoup plus difficile. Donc, il faut aussi regarder ces traces-là. Bravo à vos initiatives, à tous ceux qui y contribuent. Je voudrais vous présenter quand même ceux qui ont en charge de faire vivre un peu le patrimoine de Descartes. D'abord, Charlotte Boigard, qui est en charge de la culture et de la communication. Elle est assistée pour cela par Elise Auer, donc, qui est conseillère déléguée particulièrement attachée à la culture. Et comme vous le savez, on a eu le départ de Madame Couligan, qui est en charge de l'animation. L'endroit où le vitrail a été fait, sauf pour celui-là, je ne sais pas. Voilà, on a une plaquette pour expliquer tous les guéritos du maître Verrier du 19e siècle. Voilà, autrement, merci encore à tous ceux qui ont participé. Ça n'a pas été facile au début.